Et ce triste constat dans les établissements scolaires de Libreville, beaucoup d'élèves ne respectent plus les règles de discipline. Comment expliquer cette situation? Suivant ce reportage d'Evrard Mbani Pitake de Tanguy Tsaka. Ils sont nombreux à doubler la vigilance des surveillants chaque jour que Dieu fait dans les établissements scolaires. Ces élèves qui ne respectent pas les règles de discipline. Certains parents d'élèves estiment qu'il n'y a plus de discipline comme autrefois dans les établissements secondaires. À droite on rentre, à gauche on rentre, il n'y a plus le surveillant. Pourquoi les surveillants ne sont pas là? Les élèves amènent des paires de couteaux, des lames et tout. Donc le surveillant est exposé, il a peur d'être poignardé par un élève. Donc il n'y a plus cette rigueur. À notre époque, il y en avait assez. Chaque surveillant avait un bâtiment où il surveillait. Et il connaissait les élèves de ce bâtiment, de la 6e. Si c'est un bâtiment A, il connaissait les élèves de tout le bâtiment A. Si c'est le bâtiment B, il connaissait tous les élèves du bâtiment B. Et vous ne pouviez pas vous sauver. Parce qu'une fois que vous sauvez, c'est que c'est elle qui a commis l'erreur. Désigné comme un ensemble de règles imposées aux élèves pour que règne l'ordre au sein des établissements, la discipline serait alors l'une des clés de la réussite scolaire. Des garçons, même ma fille, qui gardent des cheveux, voilà. Et pour cela, certaines mesures sont prises pour les ramener à l'ordre. Pour les filles, c'est la même chose. Surtout sur le côté vestimentaire, nous recommandons vraiment aux jeunes filles de s'habiller de manière décente. Mieux vaut prévenir que guérir. Il revient aux dirigeants d'établissement de mettre tout en musique pour établir un climat disciplinaire dans leur cadre d'études respectifs.